La première fois que j'ai été servi par un immigrant, ça m'a fait drôle. Puis en plus de ça, il parlait pas très bien français. Et plus tard, on m'a expliqué que si c'était pas de nouveaux arrivants, le café aurait fermé ses portes par manque de main-d'œuvre. Je travaille fort pour payer mes études et aussi les charges du mois. Tout ce que je veux, c'est contribuer dans la société et faire partie de la communauté. Dans le fond, on se ressemble.